Yeah, c'est GHP5 mon pote. J'espère que tu vas écouter ça. Allez, ce son, il est pour moi. Je suis arrivé en foyer en 2012, puis j'ai réussi à faire des choses en douce. Je m'appelle Hugo et je suis un boss. C'est pas pour rien qu'on m'appelle Hugo Boss. Je franchis les boss des ennuis. Je me suis retrouvé au CPS en étant tout petit. Et maintenant j'ai grandi et je fais de plus en plus des ennuis. Mais t'inquiète pas, je vais les régler à la force de mes envies. Maintenant je suis devenu mature, du coup plus de raflure, ni égratignure de la vie. Yeah, yeah. Je me suis retrouvé dans la mouise à 14 ans. Et maintenant je vais tout régler à la force de ma réflexion. Mais promis, je ne te prendrai pas pour un con. Maintenant occupe-toi ton oignon, laisse-moi vivre ma vie. Laisse-moi vivre ma vie. Je vais arrêter les emmerdes, car là je me mets que dans la merde. Désolé de ma vulgarité, mais je suis obligé de m'exprimer. Car souvent je garde trop de choses négatives en moi. Et tellement que je les garde en moi, je les accumule et après je pète les plombs. Mais je sais que c'est pas en pétant les plombs qu'on règle les choses. C'est pas en pétant les plombs qu'on règle les choses. Pour régler les choses, faut en parler aux personnes qui nous entourent. Maintenant faut tourner la page et pas faire de demi-tour. Si tu fais demi-tour, faudra l'assumer et ne pas faire de conneries. Si tu fais des conneries, tu finiras par avoir beaucoup d'ennuis. Si tu as des ennuis, c'est pas vers moi qu'il faut aller. Si tu as des choses à régler, va les régler ailleurs. Car moi je ne suis pas dans vos histoires. Vos histoires ne me regardent pas. Vos histoires ne me regardent pas. Je vous aime mes amis, mais je ferai tout pour vous et ma famille. Mais faut pas aller trop loin non plus. Je suis arrivé au foyer qui s'appelle le CPM. Et le CPM me met la haine, mais j'ai pas envie de faire de la peine. Et quand je repense au CPM, je regrette toute la haine que j'ai pu faire. Maintenant je suis devenu obéissant. Mais là faut que je change mes habitudes maintenant. Car sinon à 18 ans je finirai en prison. Mais j'ai quelque chose à te dire. Je suis pas assez con pour être en prison. Yeah. Gangs. Merci.